Bonjour YouTube, ici Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous reparler de ASMR ou ASMR. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo où j'avais fait les annonces en version ASMR. Les annonces d'avant le décollage et après l'atterrissage. Aujourd'hui, c'est la partie 2. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines, je vous partage, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Cette semaine, je réponds à une demande qui m'a été faite par une abonnée anglophone qui me dit « Est-ce que tu pourrais faire une ASMR, mais des démonstrations de sécurité ?» Alors, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le ASMR ou ASMR, je vous invite donc à regarder, j'ai mis un lien sur une vidéo qui explique un petit peu ce que c'est, soit par ici ou dans la barre d'infos. Essentiellement, c'est parler très doucement, en fait chuchoter et faire des sons qui vont vous donner un petit peu des frissons dans le cerveau. Ça marche pas pour tout le monde, ça marche pour certaines personnes, je sais que ça marche pour moi. J'aime bien regarder de temps en temps des vidéos ASMR, ça me détend. Si ça marche pas pour vous, c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo plus normale. Et puis sinon, je vous invite donc à vous laisser emporter, hypnotiser, bercer par le son de mes chuchotements. Bienvenue à bord d'Air Victor. Nous sollicitons votre attention pendant ces démonstrations de sécurité. En préparation du décollage, veuillez vous asseoir confortablement, redresser le dossier de votre fauteuil et ranger votre tablette. Pour votre sécurité, veuillez garder votre ceinture attachée lorsque la consigne des ceintures est allumée. Nous vous demanderons de la garder attachée en tout temps, même après l'extinction de la consigne. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure de la boucle ou appuyez sur le bouton. La qualité de l'air est importante pour nous. C'est pourquoi nous tenons à vous offrir un environnement sans fumée. À partir de maintenant et jusqu'à ce qu'une annonce soit faite à l'arrivée, les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion. La carte illustrée dans la pochette du siège éléments de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. S'il fallait évacuer l'avion, laissez vos effets personnels. Suivez l'éclairage des sièges côté couloir jusqu'à l'issue de secours la plus proche. Il y a 4 issues de secours de chaque côté de l'appareil. Elles sont toutes signalées par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus proche de vous. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène ou une languette rouge tombera automatiquement d'un panneau au-dessus de vous. Restez assis, tirez la languette ou le masque vers vous. Utilisez ensuite la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Activez l'arrivée d'oxygène. Mettez toujours votre masque en premier avant d'aider quelqu'un. Dans le cas d'un atterrissage, prenez la pochette contenant votre gilet de sauvetage sous votre siège ou près du repose-jambes. Retirez la bande élastique au besoin et sortez le gilet de sa pochette. Enfilez le gilet. Fixez le crochet autour de la taille et ajustez la ceinture. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. Pour gonfler votre gilet, tirez sur la languette ou soufflez dans les tubes. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des préoccupations, adressez-vous simplement à l'un d'entre nous. Merci de voyager avec Air Victor. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve par ici. Il y a d'autres vidéos qui vont apparaître par là si vous voulez passer un peu plus de temps avec moi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Salut.